c'est une fréba. Ah. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? Les statues. Les statues de quoi? Les statues de Shabba. Ouh là là, c'est quelle série ça? Yeah. On a des petites sucreries que l'on peut trouver. Mademoiselle Marie-Hélène Marot. Les petites sucreries. Et ici, c'est qui? Ah, nous avons Petit Œuf. Donc sur le mur, sur chaque mur, nous pouvons voir les statues. Ah, avec... c'est Mimi Mati. Oui, c'est Mimi Mati. Chaque statuette avec leur vrai personnage. Ah, ça c'est Omar Sy. Et ici, c'est le quai du musée Grévin. On va aller chercher notre petit ticket. Papa, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Est-ce que... Mademoiselle J, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le ticket pour rentrer au musée Grévin. Ah, super! Et après, c'est quoi? Après le musée Grévin, on fait quoi? On va aller au café Grévin. Waouh! Et on va aller déjeuner là-bas. Super! C'est joli. Petit spectacle son et lumière qui dure 5 à 10 minutes. Prochain spectacle dans... Thank you.
derrière. Mesdames et messieurs, votre visite continue. Merci de sortir par là. Coucou Monsieur Frankenstein. Les plus grands magiciens de tout l'univers. Laurent Gérard. On avance. Laetitia Casta. Ici nous avons tous les photographes. Oui, on est des stars, oui. Et nous voici dans la grande salle. Superbe scène. Ah, là au-dessus, il y a Roberto Benigni. On ne le voit pas bien. Nous avons les loges. Angelina Jolie, Georges Clooney, Omar Sy, Luciano Pavarotti, Kev Adams, Mika, Patrick Sébastien, Anne Roumanoff. Nous allons continuer la petite tournée avec Mademoiselle J qui a l'air pressée. Oh là là, qui est ça? C'est Cruella. Ici, nous avons une statuette de... De Cruella d'enfer. Et elle fait de petites blagues aux gens qui viennent. Orson Welles, qui est un grand réalisateur américain, et monsieur, comme ça, qui lui est un grand buveur français. Thank you.
Du chocolat. Donc, une fois arrivé ici, on a le chanteur préféré de papa. Ici Jean-Paul Sartre et Fabrice Luchini. Maintenant, oh, on arrive près de Pavarotti, le grand chanteur, des grands chanteurs ici. Ici, c'est la salle Top Chef avec Monsieur Paul Bocuse, Anne-Sophie Pic et Monsieur André Ducasse. Mademoiselle J, on arrive où il y a les musiciens. Ici nous arrivons dans le coin Jimi Hendrix, Maître Gims. Oh là là, et par là on arrive près des chanteurs et tout. Et ici on arrive donc dans le petit palais où il y a tous les chanteurs. Voilà, voilà. Ici on a Lady Gaga, Petit Stromae, Johnny. Après la musique, dans le coin sportif, où il y a tous les sportifs. Tous les grands sportifs. Talent. Bon, maintenant on arrive dans une partie un petit peu dédiée à des gens qui sont un petit peu connus. Donc ici nous avons plusieurs. Et maintenant on arrive où, Jade? On arrive Miraculous. Ici, on arrive à l'histoire de France. L'histoire de France. On arrive ici à l'histoire de France. Les impressionnistes. Et voici tous les personnages de l'histoire de France. C'est toute l'histoire de France. Victor Hugo. Les rois de France. Je crois que je connais que la première. Le reste, je l'ai oublié. Louis XV au temple. Oui, il fallait l'apprendre par cœur. Louis XVI. Les déclarations des droits de l'homme. Bon, je les ai apprises par cœur. Le tribunal révolutionnaire. Tout homme né, égaux, libre en droit ou un truc dans ce style. Vous ne posiez pas la question, hein, c'était pas clair. Parce qu'à la base, on avait demandé pour un week-end, juste pour passer une journée pour vous. On s'est dit, on va partir matin, en train de faire le choix. Oui, mais tu Les mousquetaires, D'Artagnan, le cadet de Gascogne. Et ici, on a l'assassinat du roi Henri. Bah oui. Les carnets.
Bon, remarque comment ils ont fait leur effet. Bon. Léonard de Vinci. Notre-Dame de Paris avec Quasimodo et Esmeralda. Peste noire, Moyen-Âge, Louis XI. Jeanne d'Arc. Si on continue, on va arriver, je ne sais pas où. À l'antenne. On arrive à l'antenne. Qu'est-ce qui se passe par ici? On est où ici? Mademoiselle J, c'est quoi ça ici? The Voice. The Voice? Suite de la visite. Tain, tain. Où arrive-t-on ici? Waouh! Ah oui, ici c'est les top modèles, les grands créateurs. Ensuite, nous arrivons au Café Grévin, où nous avons réservé aussi le Café Grévin. Il se situe où on mange en terrasse. Au choix, Mademoiselle J va nous prendre ici. Elle va nous prendre œufs mayonnaise, filet de poulet frit et frites, suivi d'une boule de glace et d'un verre de jus de pomme. Moi, je vais prendre, à mon avis, une entrecôte sauce poivre crème, pommes frites, avec une tarte. Non, allez, une assiette aux trois fromages pour moi.
Il y a du comté, du bleu d'Auvergne, il y a du chèvre. Alors dans les boissons, où sont les petites boissons? Elles sont là. Donc ici nous avons les petits cocktails, les boissons chaudes, les boissons froides, les boissons fraîches. Talim, talim. Les toilettes de chez Grévin. Avec la grande salle de chez Grévin. Du café Grévin. Tenons, tenons. Tout joli, joli. Tenons, tenons. Une petite machine à popcorn. Et tous les petits canards. Un très joli café. Avec un petit serveur. Mademoiselle J, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, on en est déjà à notre repas. Yeah. Mademoiselle J. Délicieux. Le café Grévin quoi? C'est le meilleur. Ah oui, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Bon, on va s'y mettre. Bon appétit les amis. Et ensuite, en dessert, l'assiette 3 fromages avec du comté, du bleu d'Auvergne et du chèvre cendré, accompagné de petites noix. Et voilà. Tandis que mademoiselle J, elle, elle a pris une glace à quoi? La vanille. Est-ce que c'est bon? Mmh, oui. Voilà, on est dans le jardin du Palais Royal. Tu trouves ça comment? Explique-nous un petit peu ce qui se passe par ici. Ça a l'air super joli en tout cas. Oui. Tu nous expliques? Il y a une fontaine. Ah. On va aller voir plus près. D'accord. Ouais, il y a quand même assez bien de gens là. Oui. C'est agréable à mon avis. Des bancs qui sont mis comme ça. Oh, le petit pigeon qui vient de passer juste tout près de nous. Et voilà. Ah oui, donc les gens peuvent prendre des bancs et tout ça. Ceux qui habitent là au-dessus, ça doit être génial. Hein. Ils ont une belle vue et tout. Waouh, c'est super beau ici. C'est le jardin du Palais Royal. Donc ici, ce sont les artistes qui peignent. Et on arrive ici au Palais Royal lui-même. Regardez-moi cette architecture. C'est le Palais Royal ici. C'est la place où tout le monde peut s'asseoir, faire des petites photos, ainsi de suite. Et s'amuser, il y a de l'eau en dessous. Ça rafraîchit si on sent bien. C'est cool, c'est un lieu convivial pour les gens venir se promener avec les enfants et tout. C'est joli, hein? Et au-dessus, c'est elle dit. Regardez un artiste. Ce sont des artistes. Joli, hein? Métropolitain. Et voici donc, on va aller visiter le Louvre. Voilà, c'est bien sûr à l'intérieur. Et nous allons aller voir. Vu que nous n'avons pas assez de temps pour aller à l'intérieur, on va au moins aller visiter quoi? La pyramide du Louvre. Ah, il se situe juste où, mademoiselle J? Waouh.
Elle se situe où la pyramide du Louvre? Dans le Louvre. Oui, mais à gauche, à droite, devant, en arrière, on ne la voit pas, moi. Au milieu. Waouh, regardez-moi ça. Voici, on arrive sur la place. À l'intérieur. Waouh. Je reste sans voix, comme si j'étais... Un peu moins que devant la tour Eiffel, mais je trouve ça quand même super waouh 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 waouh. C'est magnifique. Le pavillon Richelieu là-bas. Regardez-moi cette architecture. C'est magnifique. Et là au bout, vous pouvez apercevoir d'ailleurs la grande roue. Et c'est d'un calme de chez calme. C'est rempli de monde, mais tu ne trouves pas? C'est rempli de monde, mais il fait super calme. N'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Bye bye, bye.